ça qui dit là, Boalula Matoulou nous, ku télévision ou tout, Congo Live Télévision, Mbote la ba Congolais nyonso oyo bake kolanda betu na ngonga ya ibozali na diaspora, tolbi matondo mingi, matondi mingi na ba Congolais oyo bazui lo susu intérêt, ya kolanda télévision Congo Live, na mukolo mwalelo pouke baza la plus informé na likambolie lizoleka na katia République démocratique du Congo, tolbi matondo mingi. Na ba telespectateur nyonso oyo bazolanda biso bisika ebele au travers 26 provinces ya République démocratique du Congo trobi matondo omingi to sa ki dila bwa kusungula bwa kumanya maluwa ba telespectateur ya Congo Live Télévision pour votre fidélité to yeko kabela bino basango ya makambo ya justice to ke kolobela lelo verdict oyo ekweya kilobi Nakati ya procès nanga et consort oyo cour militaire ya Gombe Kinshasa et kweisa ki verdict nango oyo ba peine de mort et yokamaki nini oyo ekiko concerné biso oyo kozala principal sujet na biso nakati ya likambo oyo tokolobela lelo c'est pas pour la première fois ki ba condamné batu na peine de mort nini oyo oyo procès ya corné nanga et consort et kozala différent Na ba procès nyoso oyo to sito yoka depuis que peine de mort et bandaki koyoka ma sur l'étendue du territoire national c'est-à-dire en République démocratique du Congo quelle sera la suite de ces procès quelle sera la suite ya ba condamnation oyo est-ce que batu oyo ba condamné ba kozala réellement condamné soki ba prononcer peine de mort et singeli ba silisa Étape, il y a un recours. Est-ce qu'après un recours, est-ce que le recours est salema? Est-ce que Ekozala na suivi? Est-ce que ça procès à mascarade comme certains bazoloba? Ekozala point oyo tokolo belalelo. Qu'est-ce que le ministre de la Justice promet encore une fois? Parce qu'il y a un qui présent na kati ya procès wana. A participé qui? Lorsqu'il a été, comme il a été au début du procès. À l'ouverture du procès, il était là, très présent. L'auditeur supérieur, Oya RDC, Azraki présent. Naba Koziba Moussousou. Ndenge Bazalaki présent à l'ouverture, l'olenge wana Bazalaki encore présent, na fermeture à procès, c'est-à-dire, na prononcé, na verdict à procès wana. Sikoyo, lelo. Tokolobela likambolie litali condamnation ya nangana troupe nae. Est-ce que ekozala kaka procès ekolobama to ekozala exemplaire cette fois-ci. C'est ce qu'on découvrira tout au long de cette émission. Le temps que vous vous installez confortablement koyeba nini ezali mozindo ya procès wana. Qu'est-ce qui est caché dedans? Nanga a répondre déjà na kati ya likambo wana. Réponse de Ananga, est-ce que ça peut être pris en considération? To ezali frustration, o etindie ki a répondre bongo. Qu'est-ce qui se cache derrière oyo ba réponse nanga apesaki? Wane koza la principal dossier, to sije na biso ya lelo. Sije a mi balé koza la oyo ba service à renseignement ya Rwanda na RDC. Basilisa ki ba concertation na bango na kati ya Luanda ba service à renseignement je dis bien tokotanga article moko ekomamaki likolo ya affaire wana mais avant mesdames et messieurs je vous invite encore une fois à prendre part à cette émission où nous y sommes aujourd'hui pour vous informer pour que tolobela elongo to essayer un peu ko analyser bino na biso likambo oyo Ya justice na kati ya mboka na biso RDC. Corneille Nanga et sa bande et consort ont été condamnés à mort. Et belé na kati na bango. Bazaki condamné à mort. Siko, to bandela bisika verdict et kweya kinan. Et puis to rosili sa na ba propos au ministre de la justice à l'obaki. Le temps que la technique sera en train de nous préparer le vidéo, ma vidéo n'y soit dans toutes ces vidéos. Technique, préparez-nous les vidéos parce que tout ça, l'illustration, que les téléspectateurs comprennent au moins et loco oyo,
tozo sala. Le pénal nanga est responsable yaba crime wana nanga qui a été condamné par défaut, je dis bien nanga a été condamné par défaut, jugement par défaut. Maintenant la question revient ici, après qu'il soit condamné à mort, après qu'il soit condamné peine capitale, après que ba ebisabiso que non oyo ezali na charge na bango, batuana bakozala obligé kofuta au moins 1 milliard de dollars na motu na bango charge oyo etielami nini oyo esengeli to retenir au-delà de ça. Tous les prévenus ont été condamnés à payer à la RDC, République démocratique du Congo, 1 milliard de dollars pour préjudice confondu. Bah, préjudice confondu, bah, prévenu Nyoswane Sengeli Bafouta, 1 milliard de dollars. Nous revenons maintenant sur les faits du procès. Nous revenons sur la réalité du procès. Ce n'est pas la première fois au Toyo Kikeno Batuba komi condamné na peine capitale et comme un chantage na Katia République. Ce n'est pas la première fois au Toyo Kiango. Ce n'est pas la première fois au Yolikambouana Toyo Kiango. Ce n'est pas la première fois au Toyo Kilikambouana na Katia Mboka na Biso. Mais qu'est-ce que la justice fera pour que ce procès soit au moins différent de ces autres procès? Oye, le cas Toyoka ba condamna, mais tout le monde a ba réaction te. Oye, Toyoka ba sala ki condamnation. Mais les personnes qui ont été condamnées ont été protégées encore une fois après juste condamnation. Quelle sera spécialité à procès Oyo cette fois-ci? À quoi ce procès sera différent des autres procès? Nous avions couvert beaucoup de procès ici, même à Goma, à Toyoka. Même à Goma, à Tokenda, Toyoka, Makambouana, moi-même j'ai couvert ma procès Belé. Ou même les officiers ont été condamnés. Mais c'est quoi la suite, les lots? Bah, Moussous, pour avoir fait des crimes, Kobumabatu. Bamosu pour avoir prendre fuite devant l'ennemi. Avoir pris fuite devant l'ennemi. Bakima liboso ya banguna. Mais c'est quoi la suite de ces procès aujourd'hui? Alors, je vous propose, les dames et messieurs, de suivre en réponse, en extrait, ce que promet le ministre de la Justice. Et on revient tout juste après pour que tout le belali kamboyango. Technique, mais pour moi, à ma vidéo, il y a procès, il y a extrait. Et puis, mettez aussi un extrait, ma vidéo, il y a ministre de la Justice. Les dames et messieurs, suivez, on se retrouve juste après pour savoir à quoi, à quel niveau ce procès sera différent de ces autres procès au total à Namboka où on a condamné les gens. Où les gens ont été condamnés, où les gens ont été interpellés, à quoi ceci sera important plus que les autres. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo avait pris une mesure par sa justice et le ministre Atika Koleka, na commandement ya Mokonzi ya Mboka, le patron de la justice, Oyazali Félix Antoine Tshisekedi, il est le premier dans tout na Katia Mboka, Mokonzi ya Biloko Nyoso, le Gara, il y a bon fonctionnement, il y a une institution à Bissot. Et Sengeli, peine de mort et Salem. Est-ce qu'il y a que Salem en Balaoyo? Suivez un extrait. Les dames et messieurs, la réponse du ministre de la Justice. Et on se retrouve juste après. Technique, Botilangaba vidéo. Quant à l'action civile, la déclarée recevable est fondée en conséquence, condamne solidairement les prévenus à payer, tous les prévenus bien entendu, solidairement à payer à la partie civile de la République démocratique du Congo la somme de l'équivalent franc congolais d'un milliard de dollars pour tout préjudice confondu.
prononce pour tous les prévenus l'interdiction d'exercer les droits civiques, politiques ou civils, de vote ou d'élection, d'éligibilité et d'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ses fonctions ou emplois pendant 10 années. Mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler, nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du troisième déferlement de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie est du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soit engagé contre M. Paul Kagame. Et sinon, nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis des cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel, ce sanguinaire, M. Paul Kagame. Mais ici, la République démocratique du Congo, il y a quelques mois, a levé le moratoire sur la peine de mort. Et que de ce fait, je vais m'employer personnellement pour que, après épuisement délai de recours, lorsque alors l'arrêt sera revêtu de la chose de l'autorité ou de la force de la chose jugée, en tout cas, que la peine de mort soit appliquée, que les autres peines soient appliquées. Cela servira de leçon à tous ceux qui vont encore s'amuser à trahir la République. Vous savez, il n'y aura plus de place pour les traîtres. C'était donc ma déclaration Oyoya, ministre de la Justice, juste après. Déclaration oyo ya makambo ebele bakongomani bazaki koloba au-delà ya procès wana après juste condamnation ya ba prévenu wana mutuna peine nae mutuna charge nae. C'était donc ce qu'a déclaré le ministre de la Justice. Ce que nous voudrons comprendre ici, est-ce que cela sera mis en œuvre pour que likambwana ekende nango liboso, pour que likambwana emunana ke cette fois-ci procès ezali exemplaire oyo ba kongomani nyoso ba kozala na kobanga ya kokende na zamba, parce qu'il y a une des plus grandes questions. Même quand je venais na zaki na zela pouke na koma awa na bureau na plateau, mutu batu bazo diskute na kati ya nzela koloba batu wana ba kozala kondane, batu wana ba kondana ki bango, me kosala eloko te, ba kozonga ba koamnistie bango, ba kozonga ba kolimbisa bango, ba kozonga ba kosala bango boye na boye. Cette fois-ci biso tolembi soki ba amnistie bango, donc ba lobi kaka ba kongomani nyonso ezala bakende na zamba pouke ba mizwa ba mi retrouver, parce que après ba koamnistie bango. Inquiétude monnaie ne les kati ya mitema ba congolais. Condamnation ezali déjà, ba condamné bango, ni le ministre de la Justice à lobby. Pour Corneille Nanga et consort, le ministre de la Justice s'engage à veiller à ce que la peine de mort soit appliquée sur eux pour que ça serve de leçon, dit-il aux autres. Ministre de la Justice à lobby qui va accorder 5 jours à recours. Oh, te bakosala ka recours, on ne sait plus. Recours suite à nango nini. A accordé bango 5 jours, ya recours. Toko konte yango, toko sunga bango o konte yango. Quelle que soit motivation oyo, quel que soit niveau de frustration, nous ne pouvons pas encourager quelqu'un à prendre les armes pour aller tuer les Congolais. Ozwa pouvoir souma kila ya batu, ezo sale mate, ezo yo kamate. Parce que, batu nyon soba ebi ke bazo kende. Bakozonga, ils seront amnistiés. Bakozonga, ils seront pardonnés.
bakozonga bakopesa bango ba poste bakopesa bango ba fonction ba grade. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Costa Mutamba lobi a accordé bango 5 jours moko mi balé misatu mine mitano 5 jours yako sala reku et ako poursuivre dossier wana pour que jusqu'à la fin peine de mort et salema naba oyo bazala ki condamné wana na na Kinshasa. Mécanisme nini oya kosala pour que azwa Corneille nanga, c'est aussi ça une grande question, parce que kozwa nanga za diplomatie moko munene. Nanga n'est pas au pays, il y a 5 personnes qui sont au pays, 5 condamnés, mais il y a plusieurs qui ne sont pas au pays. Les Larouens Kanyuka, Magloire Paluku, ils sont au pays, mais bazalo kola bazate bazaka Uganda, Congo, Uganda, Congo. Ceux qui est persécuté, bako kimela Uganda, bako kimela na Rwanda, bako kima na bamboko bakimela. Comment est-ce qu'il va procéder pour arrêter Nanga? Parce que batu bazolela aujourd'hui la tête de Nanga, ba Congolais bazolela Nanga za la exemplaire comme ça et ko décourager. Et c'est la seule voie à ko décourager ba rébellion. Si on arrive, plusieurs estiment. Na ebite yo zo landa biso, quelle est votre pensée? Affichez la commentaire, pensée na yo, analyse na yo. Mais plusieurs pensent que si cette fois-ci on arrive à mettre la main sur Nanga, on arrive à pendre publiquement Corneille Nanga et qu'on servir d'exemple à plusieurs autres personnes. Oyo, balingaki basala avanti na kati ya zamba. Qu'est-ce qu'il va faire pour attraper Nanga? Paul Kagame, Oyazu Sunga Bango, comment est-ce qu'il va procéder pour qu'il arrête Paul Kagame? Parce que Sengeli Kagame tu épargné, te Kagame pe azana kati. Nous allons porter plainte devant la CPI contre M. Kagame. Ça, c'est pour Kagame. A annoncé le ministre de la Justice, Costa Mutamba, qui décrit le président rwandais tel qu'un criminel de guerre, sanguinaire. Si la CPI ne le fait pas, ce qui est CPI, indimité, kolande la Kagame, yoka pense nae. Nous allons devoir proposer au président de la République de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que l'important, c'est à Congo et qu'on en a qu'à citer. Si la RDC n'est pas écoutée, il n'y a pas l'importance que Etikala n'a qu'à tiba statut de Rome. C'est que l'on mi benda, to kende, to lungwa, n'a qu'à tiba. Parce que, bah, oh, bah, n'a qu'à tiba, sanction, zo mon anate. Ça ne sert à rien d'y participer. Comment est-ce qu'il va faire pour que Nanga za l'arrêter? Alobi naye ke ba ko lancer mandat ba ko sala coopération na CPI pour que ba mona comment est-ce que Nanga doit être livré à la RDC. Nanga doit être traqué de partout où il est pour que ba zo ngise na kati ya mboka asibi pene naye. Mais entre autres, il y a d'abord 5 personnes oyo bazaki condamné bazana Kinshasa. Certains d'entre eux ont reconnu noir sur blanc, noir sur blanc, être membre de l'AFC. Certains d'entre eux ont été visibles. Il y a même des preuves visualisées où ils ont pris les armes. À l'exemple d'Eric Nkuba, il était aux côtés de Nanga dans les Rutshuru, Azwaki Manduki, Babumaki Batu. Recours et sengelier salema, ce qui est salema te, procédure et l'andama. Pesez les mots, ministre de la Justice. Lobi a accordé bango 5 jours. Ba Congolais bazo landela makambo bozo loba. Aussi longtemps justice est tombolamite, donc tokende liboso te. Parce que ba antivaler et kozala. Ba détournement et kozala, oh, tozo yo kanafoner biloko ba 500 millions.
avec 500 millions, plusieurs experts aujourd'hui, Bakoye Bisabiso Keno, nous pouvons avoir au moins 50 avions. Oeza 9T, Oeza Yasikate, mais en état à bien. Au moins 50 avions, na 500 millions, on a toujours eu un peu de ba expert ya domaine wana bazolo balikambo wana 50 avions et puis Congo Airways ba pemi compagnie na biswana et pemi mais ba avion ezate mais mbongo ezo za la détourner dossier ya sena ba mbongo ezo kende wana nyusu sengeli kolandela qui qu'il soit dans ce pays wana ndezo buma mboka ba influence wana parce que aza tel protégé par près de tel akosimbamate wana nde zo buma eza eloko ezo tinda batu baloba ke justice ezali malade alors pour mettre en place justice ebika esengeli ke justice esokipe na bakanyo wana sans exception nil ne au-dessus de la loi mutu moko te azali sima to likolo ya loi. Alors, après ma condamnation, qu'est-ce que Nanga a dit? Corneille Nanga, Nini Alubaki. Et puis, tu as analysé Longo Nabino. Réponse à Nanga. Est-ce que Zali frustration? Réponse à Nanga. Est-ce que Ezali Bosolo Oya Lobi? Est-ce que Ezali Kobanga? Totanga et Longo, le temps qu'on sera en train de finir cette émission. Condamné à mort, Corneille Nanga réagit et parle d'une aventure d'une justice malade au service de Félix Antoine Tshisekedi dans une démocratie vermoulie. Cette épopée judiciaire n'exabonde conforte les combats pour les normaliser démocratiques en République démocratique du Congo. Tous les actes de justice, procès sous Tshisekedi, fraudeur des élections en décembre 2023, sont nils et nils et sans effet. Depuis le début de ce simulacre de procès, nous sommes débordés d'adhésion et de soutien, dit le président de l'AFC, Corneille Nanga. Nanga a qualifié en gros un simulacre, une aventure. Ça, c'est Ezana Ngambo Naye. Ngambo ya Corneille Nanga, là où il fait savoir que Ezaba simulacre, ba aventure, ya ba élection likambo oyo, azo sala. Alors, c'est pour ça, comment est-ce que vous, personnellement, vous qualifiez cette réaction de Corneille Nanga, les dames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Comment vous, personnellement, vous mettez en place ce que Nanga a déclaré? Est-ce que Zali Kobanga? Est-ce que na Mozino ya Motema? Nanga moni déjà que les choses sont mises au sérieux. Est-ce que Nanga bisika fandi azo regreté to azo bangate? La Rose Kanyuka bisika bafandi balobi awe yeli biso moto nini balobi? Affichez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez encore qu'il faudra m'y faire pour que ba dossier auto silisa yango? Certains estiment que esengali to kende na révision ya loi ya amnistie à 2003. Tozonge la balwa nyo swana ya kosunga ba oyo bazaki ba rebelle. Pour que to brise yango, c'est ja qui occupe ba poste na kati ya l'état, bazala condamné de faire devant la justice et que ba subir rigueur ya loi. Ezala bananga ba bango moko kakate. Ce que le Congolais veut voir eza peine de mort, peine capitale, batu bakufa mitu et katam. C'est ce que le Congolais veut voir. Mais ceux qui botigali na ba procès wana ka ceux qui mascarade et ko sale maté. Les Congolais balingi ba mona nanga akufa pour venger le sang de ses compatriotes au bakufa ki na kati ya ba camp ya ba déplacés. Ils sont en train de violer des mamans, de piller systématiquement. Ba ressources ya mboka. De quel droit ils ont? Ils se prennent pour qui pour qu'ils soient amnistiés, pardonnés? Il faut qu'ils payent de cela et cela sera une manière de décourager les autres. Qui oserait, qui penserait qu'aller dans la forêt est la solution pour s'enrichir dans la République démocratique du Congo pour trouver des postes, des grades, des bénéfices et davantage. Merci beaucoup les dames et messieurs. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, on s'est fixé un nouveau rendez-vous à demain. J'étais Youssouf Okibingela David.
journaliste d'investigation. Je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Vous avez des dons, vous avez d'aide, vous avez des lissungis, vous avez des suggestions. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée, bon début de week-end chez vous et à demain pour d'autres actualités.